La rose des sables, c'était pour l'idée de venir effleurer les prises, comme si chaque prise pouvait répandre un parfum que le grimpeur allait suivre pour pouvoir monter jusqu'en haut. Je crois que ce qui est fantastique avec l'histoire de la bande des Parisiens, c'est qu'ils ne se sont pas forcément pris conscience qu'ils vivaient un moment charnière et décisif de l'histoire de la montagne et de l'escalade, le moment où les deux disciplines finalement se séparent. J'essaye de me libérer de la pression de la réussite, de la pression du sommet. L'important au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir une escalade durable. Je ne m'arrêterai jamais de grimper. Je suis dos au mur pour pouvoir mieux embrasser le monde.